suis un plus de rien, puis moi. Hein. Vous avez vu qu'elle est brodée à mes initiales? Non. Bien sûr. Et ça, je tiens à ce que vous le sachiez. C'est quand même un clin d'œil de notre décorateur, scénographe. Eric, un jour, la nappe est arrivée, il avait fait broder CHL. Tout ça pour dire que quand la nappe est à l'envers... Je le vis très mal. D'abord, il faut rappeler une chose, c'est qu'au 17e, il y a une chose qui prime, c'est l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Cette journée, j'ai donc décidé, au moment de l'acte 2, de la ponctuer par le moment d'un déjeuner. Et au cours de ce déjeuner, c'est ce qu'on appelle dans la tradition la fameuse scène des portraits, les marquis vont pousser Célimène à dresser le portrait de différentes personnes, différentes personnalités de la cour. Gérald, madame. Oh, l'ennuyeux compteur. Oh. Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur. Dans le brillant commerce, il se mêle sans cesse et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. Le déroulé du déjeuner, les plats qui passent, le service à table, la manière dont la discussion circule autour de la table, on a tous vécu ça. On a tous vécu un déjeuner entre copains où, à un moment, on se met à parler des copains qui ne sont pas là. Et finalement, pour être drôle, il n'y a rien de plus facile que d'être méchant. Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hui nos plus aimables gens, nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui? Que de son cuisinier, il s'est fait un mérite et que c'est à sa table qu'il en rend visite. Et ce qui est très difficile en fait à interpréter, c'est que les portraits se suivent et qu'il faut réussir à ce que le public voit la personne que Célimène est en train d'écrire, qu'elle le décrit à peu près en 4 alexandrins, je pense 4-5 alexandrins à chaque fois, et de réussir à en faire un portrait juste et que le public le voit chacun de ces personnages qui sont différents, tout ça en mangeant, dans la mise en scène avec beaucoup de tops, on a beaucoup de tops, des tops serviettes, des tops au moment. En fait, tout est ultra précis parce que il faut jamais que le déroulement dramatique du dîner, c'est-à-dire le service, les domestiques parasitent le discours. En fait, si tout à coup Adeline était en train de parler, approche-toi et à un moment elle te sentira et de toute façon sert, ok? Sur la crème, Marina, tu vas voir que certains n'en veulent pas et d'autres en veulent. Top. Ouais. Aucun d'eux à vos yeux ne se montre, on ne vous voit en hâte aller à sa rencontre, lui présenter la main et d'un baiser flatteur appuyer les serments d'être son serviteur. Il faut que t'aies fini, Marina. Voilà, très bien. Il faut voir que au 17e, à ce moment-là, dans la vie de Molière, la grande question de Molière, c'est la question du naturel. Alors moi, je ne sais pas ce qu'était le naturel au 17e, mais du coup, je me pose la question pour nous maintenant, et j'essaye de poursuivre l'obsession de Molière. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et c'est en ça que je crois que le répertoire, il est toujours vivant. C'est-à-dire, comment on reste fidèle à l'esprit de telle ou telle pièce, ou de telle ou telle auteur, mais en se posant les mêmes questions à notre époque. Dans les propos qu'il tient. Et attention, décontraction, mais extrême tenue à table. Donc pas les jambes croisées. Dans cette nouvelle mise en scène du Misanthrope, Clément a voulu rapprocher cette langue de nous, rapprocher cette langue d'un esprit de conversation, plus que de profération, que ce soit une langue de dialogue, plus qu'une langue de performance. Et donc voilà, ce qui est important pour nous, c'est d'articuler minutieusement, très précisément, notre pensée. Une fois que la pensée est claire, la langue suit. La langue pour nous suit, et la compréhension pour le spectateur est évidente. Moi, ce qui m'importe en tant que metteur en scène, c'est l'incarnation. C'est de voir un comédien s'emparer d'un rôle et le faire sien. Oh. Tel que ce serait écrit, tel que ça a pu être joué. Allons, ferme, poussez, mes bons amis de cour, vous n'en épargnez point, et chacun a son tour. Cependant, aucun d'eux à vos yeux ne se montre, qu'on ne vous voit en hâte aller à sa rencontre, lui présenter la main et d'un baiser flatteur, appuyer les serments d'être son serviteur. Et c'est déjà très beau. Mais voilà, moi, si je crois que tel que vous l'avez vu, c'est quelque chose de l'ordre. Allons, ferme, pousser,
mes bons amis de cour. N'en épargnez point. Chacun à son tour. Cependant, aucun d'eux à vos yeux ne se montre qu'on ne vous voit en hâte aller à sa rencontre, lui présenter la main et d'un baiser flatteur appuyer les serments d'être son serviteur. On parle beaucoup de la langue de Molière. L'esprit de Molière, c'est tellement plus haut que ça. Raconter le monde, raconter les hommes en les amusant.